L'homme odieux Paris Saint-Germain et amis Satan Scraeso, pour ceux qui savent qu'ils ont un enfant ou congé, ils se donnent toujours à la maison de Bonjour. On se sent sans créer, c'était un de votre rubrique. J'espère que vos enfants, demain, choc Paris Saint-Germain en ligne, déjà disponible en direct là, le mot Dieu. Dieu. Cette finale, Cannes, Égypte, Sénégal. Avant toute chose, je vous rappelle. On se retrouve sur Twitch, On commence les Absents des forces On fera un point également sur le site. Mais avant, on va commencer par le 6 Zidane et Pochettino. Je vous l'avais annoncé sur Twitter dans notre pastille numéro 4. Mercredi, Pochettino en a marre du Paris Saint-Germain. Je vous l'ai dit, en cas d'échec du Paris Saint-Germain, on a déjà mis pour Pochettino. Et partir lui qui est prévu. Et normalement, il est prévu qu'il parte en juin. Il ne prolongera pas son aventure. Il part normalement malgré la programmation jusqu'en 2023. Ce sera net, pas de Pochettino l'année prochaine. À moins d'un énorme rebondissement qui n'est peu probable aujourd'hui. Mais si Paris Saint-Germain est éliminé en Ligue des Champions, le départ de Pochettino pourrait être précipité et aura lieu en avril prochain. Si tout se passe bien jusqu'à juin, on passe vraiment au Paris Saint-Germain. Il ne pourrait pas être le seul à quitter le Paris Saint-Germain. Je vous dirai pourquoi dans un instant, mais pourquoi vous pouvez penser, c'est sûr, vous connaissez tous. Le Real Qatari, c'est Zidane, mais la formation est vendue aussi cette semaine. Le Paris Saint-Germain a vraiment, les dirigeants parisiens ont sérieusement voulu se séparer de Mauricio Pochettino cet hiver. Oui, cet hiver. Mais le successeur a dit non, notamment à cause de la double confrontation au Real Madrid et qu'il s'est arrêté tout le temps. Vous savez, bien, c'est une je vais l'annoncer jeudi dans votre pastille au sein du Twitter. C'était Zidane donne sa priorité à l'équipe de France. Oui, mais il est peu probable que les gens arrêtent après la Coupe du Monde. Donc Zidane serait de plus en plus réceptif à l'appel des dirigeants parisiens et pourrait arriver rapidement, soit au printemps, en avril, après le départ, en cas d'échec de Ligue des Champions, soit à l'été prochain. Mais la piste qui semble plus légère, c'est l'été prochain pour le moment, pour Zidane qui veut poursuivre son année. Ça va être de pro. Et pourquoi Mauricio Pochettino ne sera pas le seul à partir en cas d'échec ou à la fin de la saison? Et c'est Leonardo qui pourrait être également qui pourrait voir la porte de sortie. Pourquoi? Parce que Zidane ne voudrait pas travailler avec Leonardo. Il veut avoir les pleins pouvoirs. Ou il voudrait travailler avec Arsène Wenger. C'est un simple. Le retrouve pour le poste de directeur sportif, donc parce qu'on sait les tensions, les deux ne s'apprécient pas très bien. Donc voilà pourquoi Zidane ne veut pas travailler avec Leonardo. Donc en cas d'arrivée, une des exigences qui s'impose, c'est d'avoir les pleins pouvoirs au Paris Saint-Germain, vraiment sur le recrutement, avoir Arsène Wenger à ses côtés pour diriger le Paris Saint-Germain. Voilà les actualités du dossier Zidane. Pochettino, on sait, Pochettino, listé par Manchester United,
S'il y a pour l'instant Ralph Rangnick, juste en juin, il restera au club, mais il ne sera pas entraîneur. Il sera dans la direction sportive des Mancuniens. Revenons au match de demain. Et Sergio Ramos, je vous l'avais dit en intro, est forfait. Forfait à 10 jours du Real Madrid. Il est probable et même quasiment probable. Même s'il retrouve les terrains collectifs la semaine prochaine, ça serait un peu trop tôt. Il serait de plus en plus forfait pour affronter la Real Madrid. Pensez, l'ancien Madrilène ne serait peut-être pas à 100% et même ne serait pas prêt à affronter la Real Madrid dans 10 jours. On s'est blessé la semaine dernière, on s'est dit plusieurs prépares physiques depuis son arrivée. Et pour la prochaine année, il serait peu probable, il serait probable de ne pas pouvoir compter sur Sergio Ramos pour le match retour à Santiago Bernabéu, ça pourrait être autre chose, il pourrait être apte, mais il ne faut pas qu'il rechute à ce moment. Pour lui, en revanche, c'est tout est parfait. Neymar, je vais l'annoncer hier sur Twitter, tout parti numéro 7, Neymar is back, et oui, J-10, avant le Paris Saint-Germain, on était J-11 hier, Neymar is back, il a repris l'entraînement collectif cette semaine, il sera forfait demain, est-ce qu'il aura du temps de jeu la semaine prochaine, face à Rennes, à quelques jours du choc face à la Madrid, c'est une piste, mais c'est pas la priorité. Mais Neymar serait apte à jouer face au Real Madrid le 15 février prochain. Il a travaillé dur pour pouvoir être prêt pour ce match. Il veut jouer ce match. Il est fortement probable que Neymar soit dans le groupe pour affronter le Real Madrid par les Princes dans 10 jours. Notamment à Sergio Ramos, c'est la grande nouvelle. Neymar, Spack. Voilà pour ce point média de ce samedi, et pas vendredi, parce que hier, de ce samedi 5 février, je passe un bonjour aux copains de Surcast pour les pronostics, si vous voulez nous faire un pronostic de Ligue 1, de la Ligue des Champions, bien sûr, de la Serie A, de nous aussi, de la première ligue, Serie A, je vous le lien sur mon compte Twitter, sur mes tweets. Je vous dis tout ça. Voilà, et pour la. N'est pas déjà disponible, je vous rappelle, la module spécial 4 et spécial final, non, mais ça, la VS 5. Ça vaut malaisien. Voilà, les amis, pour ce qu'on vient aussi samedi. J'espère que vous avez. Vous passez un bon week-end. Je vous embrasse, on se retrouve lundi pour sur Twitter pour le module 8 pour les informations. Je vous embrasse, bon week-end, n'oubliez pas la liste, profitez-vous.